La journée de Malala ne m'appartient pas. C'est celle de toutes les femmes, de tous les garçons et filles qui ont pris la parole pour défendre leurs droits. Who have raised their voice for their rights. Malala a survécu de justesse à une attaque des talibans au Pakistan. Mais loin de la faire taire, cet acte horrible l'a rendue encore plus désireuse de militer pour le droit des filles d'aller à l'école. Des filles comme Aksa Rehman, dont la maison a été inondée. Quand elle n'a pu retourner à l'école à cause des dégâts, elle aussi a défendu son droit à l'éducation. Nous irons à l'école, même si nous devons lutter pour cela. Nous aiderons nos voisins en remplaçant tout ce qu'ils ont perdu dans l'inondation. Bib Rehman, la tante d'Aksa, est convaincue qu'éduquer la jeune génération est la seule voie vers un avenir meilleur. Nous éduquons nos enfants afin de sortir de la pauvreté. Nous avons à peine assez d'argent pour manger ou nourrir les enfants. Mais nous les éduquons quand même afin qu'ils progressent. La pauvreté, les catastrophes naturelles, la pratique des mariages précoces et les extrémismes culturels font que beaucoup de filles dans le monde se heurtent à de gros obstacles pour avoir une éducation. Let us pick up our books and our pens. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos meilleures armes. Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo. Voilà ce qui peut changer le monde. And one pen can change the world.